Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette du Let's Play sur Max Payne 3. Donc nous sommes rendus Marc. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Donc, je vous rappelle que je joue à Max Payne avec une manette, maintenant une manette d'Xbox One, car il y a quelqu'un qui m'a dit comment la faire fonctionner sur PC de Xbox One. Et ça va beaucoup mieux que ma manette d'Xbox 360, étant donné qu'elle commençait un petit peu à vieillir. Ça va arrêter dans le cimetière. On va continuer là où on était. Ouais, petit bug. Ça arrive, ça ne sera pas trop long. C'est juste parce que je suis en train de faire du montage pour d'autres vidéos. Je tombe mes oreilles, mais littéralement. D'accord, je m'attendais pas tout de suite. Moi, je me rappelle un peu l'histoire, on est revenu dans le passé là. D'accord, ça c'est pour l'arme. Mais comment je fais pour me cacher? Je cherche juste comment faire pour me cacher. D'accord, pour l'instant on se cache. Ça va avoir deux armes. On va recharger, on va vérifier ici s'il n'y aurait pas des soins. Et non, j'ai encore de la difficulté avec ma voix. Donc comme je vous disais, on est revenu dans le passé. Et dernier ennemi de la zone. Donc on est revenu dans le passé, dans le cimetière. Alors qu'on essaie toujours de se sauver avec notre ami Passos. Femme et notre fille qui a été tuée avant de passer. How appropriate. D'accord, d'accord. Où est-ce que je me fais tirer? J'ai vraiment de me rappeler. Dernier ennemi de la zone. Je me rappelle quand il me tire à l'anti. Attends. Donc on reprend le let's play sur Max Payne. De plus belle. Ne vous inquiétez pas. Je vous invite à mettre la vidéo en 1080p maintenant. Avec mon logiciel de PC, je suis capable de tourner à 60 fps. Je ne sais pas s'il va y avoir de lag. C'est la toute première vidéo que je fais à 60 fps. On va voir. Le son de ma voix devrait être assez fort aussi, le micro n'est pas directement devant moi, contrairement à... Like I said, Passo's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. Huh. All right. Spread out! And clear every room before you move on. We don't want to miss these damn fools. Our SOS was gonna have to wait. D'accord, c'est X. Là, ça sera peut-être, étant donné qu'on approche de plus en plus. Approche de plus en plus la fin du let's play. Les épisodes. D'accord, je crois qu'il me tire tous. Ouais, il me tire tous. Donc je vais devoir aller le tuer. Ah, il s'est fait tuer.
Je ne croyais pas qu'il pouvait se faire tuer, on va recommencer. On va peut-être aller un petit peu plus rapidement, d'accord, on recommence ici. Un petit peu de mal à tirer. On va monter en haut. D'accord, donc c'était le dernier ennemi. On a trouvé un téléphone. Et on est de retour dans le présent. Chapitre 7, je crois. Je me retrouverai encore à l'autre bout du monde. Donc on revient alors que la femme de Bianco vient d'être tuée. Haven't you figured out I don't speak your fucking language? That's right, I may be a moron, but here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. Donc là, il y a littéralement une guerre de l'autre côté. Donc Là, il y a une littéralement une guerre de l'autre côté. Didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Between me and Sao Paulo's finest, it'd be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. It was a goddamn war zone. I had to assume Giovanna and Marcella were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. D'accord, donc à l'extérieur, c'est un peu du n'importe quoi là. Oh merde. C'est vraiment la guerre entre les commandos Sobra, la police. On n'a pas réussi à sauver Fabiana, mais on peut encore sauver... je crois que c'est son frère, son fils, je suis pas sûr. Ils n'étaient pas là pour moi. As far as I could tell, and I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance Marcelo, to get to Marcelo. Giovanna, c'est vrai, la sœur de Fabiana. Donc il reste toujours Marcelo et Giovanna à trouver. Pour éviter que le travail soit un échec total. Hein. On affronte aussi la police.
Et avec 10 balles de pistolet là, on fera pas long feu. Pas confiance à ces hélicoptères là. Waouh. J'espère que mon 60 FPS fonctionnera comme il faut. Parce que c'est vraiment plus beau de cette façon. Le jeu est vraiment beau là. Moi je joue en ultra sur mon PC et. Marcelo et Fabiana, d'accord. Giovanna. Moi et les noms. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Donc là, il me reste seulement 6 balles. Je vais quand même faire attention là. I'd heard about these raids. Rena thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Everyone was fair game. As I was about to find out. Ne présente pas, disons. Balles, je ne sais vraiment pas comment je vais faire là. J'ai plus de balles. Il n'y a pas un bouton que je peux utiliser justement. Mais bon. Je n'avais plus de balles. Je croyais qu'il y avait peut-être avant un bouton que je pouvais cliquer là. D'accord, bon, je vais essayer avec lui. Il est encore. Ils prennent beaucoup plus de balles avec leur. Étant donné que cette arme a plus de balles. Mais là, on n'a pas beaucoup de vie, donc il ne faudrait pas. C'est le dernier ennemi de la zone. 55. I'd seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the party? Ah oui, d'accord. Ceux qui sont venus tout de suite après la fête au début, vous en rappelez peut-être. Ils étaient venus dans la zone. Getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcelo, were narrowing with every passing second. Ne vous inquiétez pas, madame, je ne peux pas. Si j'avais rempli mon corps avec assez de poison, peut-être que j'aurais oublié que j'avais ajouté une autre fille morte à mon rap sheet. D'accord. Ne vous inquiétez pas, madame, on n'est pas venu pour vous. Putain. Et merde. This wasn't such a good spot to enjoy the view. C'est vraiment la guerre là dans les favelas. Là c'est pas mal la musique qui s'emballe. Hein. Ah!
là, avec l'hélicoptère, avec ce commando là. UFE. UFE. Oh merde. Still alive, and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Donc on est toujours en vie, c'est une bonne chose. C'est complètement raté ce que je voulais faire. Je voulais me lancer de façon ralentie, mais... Eh bien, ça n'a pas fonctionné. J'ai juste regardé. C'est juste pour regarder si mon logiciel enregistre bien sans lag. Et d'après ce que je vois, sans lag. Donc, vous aurez donc, a priori, du 60 FPS. Ça serait vraiment cool pour vous. Oh merde. Ah, une balle il m'a eu. Encore une fois j'ai raté. Je pense tout simplement que je vais rester en arrière. En arrière des briques pour me cacher. Voilà, donc déjà ça c'est mieux. Et voilà. Dernier ennemi de la zone. J'ai pas réussi à sauver, je sais pas si réellement on peut. Man, I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention. J'aime pas quand ils m'oblige à viser comme ça. Ça sentait jamais bon. La nuit qui commence à tomber là sur les favelas. Et je n'aime pas ce que j'entends. Ah non, mais là. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Petite sauvegarde, on va continuer. Même si l'épisode fait déjà bientôt 20 minutes, je vous l'ai dit que les prochains épisodes vont être plus longs. But I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Tous les mecs sont dessus, traficantes e viciados, né? Espera o quê? Oh merde! Je m'attendais pas que son arme. Je m'attendais pas qu'il tire aussi rapidement que ça. Hora de merde! Nunca aprende a lição. Traficantes e viciados, né? Espera o quê? Atire nele! On va y aller comme ça, on va y aller. Ça me va bien depuis le début du let's play.
Re, les amis, j'ai fait une petite coupure dans le montage. Présentement, j'enregistre après avoir tourné l'épisode, tout simplement parce que mon PC a bugué. Non, mon logiciel de montage a bugué. Quelquefois, il me fait ça, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Mais ça me met les boules. Eh bien, tout simplement, le son était... Ça ressemblait à ça. Ben, c'est beau, je pense que vous avez compris. Donc ça ressemblait à ça. Donc je vais commenter en même temps que je regarde l'image. Première fois que je fais ça. On va voir si je suis bon. Je sais pas non plus si le son de ma voix sera pas assez forte. Mais bon. Alors où on est nous? Ah, regardez-moi ça. Dernier ennemi de la zone. Petit ralenti. Ah oui, je vous rappelle que quand... Petit ralenti. 250 victimes au fusil. J'ai vraiment l'air crédible. Hein, surtout 5 secondes avant, je dis ah oui, j'enregistre par-dessus. Et j'ai vraiment, mais vraiment l'air crédible. Alors on est là avec notre petite arme. Et moi, le con qui essaie de rentrer par cette porte. C'est assez drôle parce que je peux me critiquer les erreurs que je fais. Et Dieu sait que j'en fais des erreurs. Ah, silence. Malheureusement, vous n'entendrez pas le son du jeu pour cette partie. Je vais vous mettre une petite musique. Hein. Donc, je vous invite à lire les sous-titres qui sont là. Étant donné que malheureusement, le PC a décidé que, eh bien, il allait me faire chier. Non, je sais pas pourquoi il fait ça. Ça arrive de temps en temps qu'il me le fait, mais bon. Et voilà, on se fait voler notre arme. Plus d'armes. Et merde. D'accord, il était peut-être pas mieux de sortir. On a bien fait de pas sortir, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On a bien fait de pas sortir. Lucky winner. Donc il parle bien sûr des personnes qui sont à l'intérieur des wagons, hein. Ils sont chanceux. Ils sont chanceux. Ils sont chanceux. Donc j'ai environ 15 minutes. De vidéo, d'audio à enregistrer. J'espère que c'est pas mon logiciel d'audio cette fois-ci qui va péter un plomb. Parce que là, je sais plus ce que je fais. Donc, je sais pas si le son de ma voix sera assez fort, hein, comme je vous le dis. Je vous invite à lire hein, aussi. Bien lire, tout simplement. Parce que comme je vous dis, malheureusement, il y a eu un gros problème. Je sais pas pourquoi. C'est seulement avec Max Payne, je crois, que ça fait ça. Faudrait vraiment que je regarde pourquoi mon PC fait ça. Parce que c'est comment dire, fatigant, tannant, énervant, à tous les scénarios, vous voulez. Mais c'est surtout en fait que je vais enregistrer parce que je voulais enregistrer par-dessus, car c'est très important, la partie, les parties que j'ai tournées, vous le savez, j'ai tourné du 40 minutes, donc c'est quand même des épisodes de 40 minutes, il se passe pas mal de choses, donc j'ai décidé d'enregistrer par-dessus, tout simplement pour rien que vous manquiez. Vous voyez comment je suis gentil là? Vous voyez? C'est magnifique. Là vous allez dire, ah mais pourquoi t'as pas seulement réenregistré? Ça vous tente-tu vous quand vous avez fait 2 heures de tournage d'enregistrer? De réenregistrer une partie que vous avez déjà fait? Eh bien non. Je n'ai pas le choix. Tu dois. On avance, les amis. On a 25 minutes de fait sur 36. On y arrive, on y arrive. Moi, je vois le temps en avant de moi. Ah, voilà Marcelo et Giovanna. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps Giovanni dans la tête. C'est une fille, hein, quand même. Donc. Giovanna et Marcelo étaient là. Mais qu'est-ce qu'ils me foutent? Et boum! Brûlé, comme ça, comme un petit poulet. Et plus de Marcelo. Marcelo est disparu. Et voilà. Imaginez les cris que ça faisait là. J'espère que l'épisode que j'ai tourné après, parce que savoir que j'ai tourné 2 épisodes, j'espère que tout est correct. Donc un petit peu de cutscene pour cette version. Donc je vais RT. Et boum, coup de pied. Et voilà, je vous rappelle que je joue 18 ans et plus, comme je le rappelle assez souvent de toute façon dans le let's play. Ou si je tourne en 60 fps maintenant, donc n'hésitez pas. Et je sais pas pourquoi ça ne fait toujours ça, mais il va falloir que je regarde pourquoi mon Blue Yeti fait des... Ah, si quelqu'un le sait dans les commentaires, hein, pourquoi tout d'un coup il peut décider de faire un... N'hésitez pas à me le dire, ça va me faire extrêmement plaisir. Savoir qu'il est connecté sur mes prises USB... du devant PC, peut-être qu'il faudrait que je le connecte sur ceux de derrière.
Alors là, j'essaie de toujours parler parce que ça serait assez plat pour vous si je parle pas. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas d'ambiance sonore, eh bien, c'est comment dire, un petit peu tranquille. Donc je vais essayer de vous trouver une belle ambiance sonore de suspense et tout ça là, pour arranger avec. Que tout fonctionne bien. Oh, Dios mío, caro, cosa de Morales. Blablabla et blablabla. Donc ça, je trouve dommage là qu'il fait ça, mais bon. On peut rien y faire. Donc ça serait le chef des chefs, d'après ce que je vois. Donc on fait des petits doudous. Petits doudous. Ça doit pas être la place la plus confortable pour dormir, ça, je peux vous l'avouer. Il reste 10 minutes, les amis, on va y arriver. Je sais pas ce que je vais dire pendant 10 minutes d'enregistrer par-dessus. J'aurais bien pu vous enregistrer par-dessus et ne pas vous le dire, mais vous l'auriez sans doute remarqué étant donné que j'allais mettre une petite musique et vous n'entendrez plus Max Payne ou bien Giovanna parler, ou bien tous les autres bruits qu'on entend dans le jeu. Je suis un petit peu déçu justement à cause de ça, mais bon, on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. J'espère que la prochaine épisode n'est pas comme ça. Si elle est comme ça, je ne sais pas quoi faire. Je retournerai peut-être la partie, je sais pas. Parce que là, parler toujours comme ça, là, je sais pas ce que je peux faire. Donc on a changé de chapitre, si je me trompe pas. Donc Giovanna appelle Passos. Je vous invite encore une fois de mettre en plein écran et de lire. Étant donné qu'il n'y a pas le bruit des voix. Donc ceux qui écoutent les voix pour... obtenir les informations, mais ne peuvent pas les obtenir, tout simplement. On va y arriver, les amis. On approche. On va compter les minutes ensemble. 9 minutes, non. Donc, hop, elle est malade, ça ne va pas très bien. Après ce qu'elle a vu, c'est un petit peu normal aussi. Après avoir vu quelqu'un brûler vif, on peut comprendre qu'elle a un petit peu de mal avec son estomac. Par-dessus la culture, et nous aussi d'ailleurs. Et hop. Désolé si des fois il y a des blancs ou s'il ne se passe rien. Écoutez la belle musique que je vous ai mis. Parce que vraiment, j'ai pas grand chose à dire, je dois l'avouer. Je n'ai pas grand chose à dire. Et elle est encore malade. Et elle est enceinte. Suspense. Révélation, vous l'avouez. Je suis quand même capable de faire du suspense. Même si je ne joue pas réellement. Magie. Elle est enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle est enceinte avec Passos. On sait qu'elle sort avec Passos. D'ailleurs, on l'attend, ce fameux Passos. J'aime dire son nom. Passos Lucky, vous voyez. Et merde. D'autres ennemis. On fait que ça, de tuer des gens dans ce let's play. Donc. C'est pas nouveau. Ça ne fait pas un grand changement. Donc, on va devoir les éliminer. Et là, je me demande si j'y vais bourrin ou non. Il nous reste environ 15 balles. Et on y va bourrin. Allons-y. Je me débrouille quand même bien depuis le début de l'épisode. Et depuis le début du let's play, hein, je suis pas mort six fois, tant de fois que ça. Je me débrouille quand même bien. Vous allez bientôt finir de m'entendre, il ne reste que 6 minutes, les amis. Un petit peu moins que ça, j'imagine, avec l'outro que j'ai dû faire. Vous savez que je fais toujours des outros de la mort qui tue.
Et voilà, dernière ennemie de la zone. Puis qui court partout. Ah, je dois vous avouer que cette partie-là était un peu fatigante parce que lorsque je tirais à chaque fois, elle criait, mais elle criait au meurtre. Et vous voyez là, les points d'exclamation et tout ça, elle crie encore. Là. Celle-ci en est avant d'ailleurs. Et regardez ce qu'elle fait. Ouh! Oh non, mais il y a des lasers qui me pointent et des mecs qui me tirent, mais moi je me cache pas! Regardez, regardez, je me cache pas! Oh non, mais la fille quoi! La fille qui ne se cache pas! Je sais pas d'ailleurs pourquoi elle ne s'est pas cachée. Là. Mais bon. C'est assez drôle la fille qui va de droite à gauche là. Et voilà, donc on va avancer un petit peu. On va avancer juste les armes qui sont ici. Pour ne pas manquer trop de munitions. On va aller la rejoindre. Je sais que c'est pas l'idéal de voir allure et de pas entendre les bruits, pas de bruit sonore et tout, mais bon. On fait avec ce qu'on a, hein. Donc oui, ici, je me rappelle, j'ai recommencé deux fois, trois fois, je ne sais plus. Ici, j'ai dû recommencer plusieurs fois. De toute façon, vous allez le voir, hein. Lorsque je meurs, vous vous en doutez, les joyaux de ma couronne. Donc j'étais mort, vous voyez. Oui, je chante en même temps. Je suis pas habitué de record après. Tout simplement après. Je suis pas habitué d'enregistrer ma voix après les images. Ça fait un peu étrange, je dois vous l'avouer. Je sais qu'il y en a qui le font. Et ils font même très bien. Et il brûle. Boum. Faire exploser un peu ce qu'il y a autour. Et voilà, on a eu un succès de Rockstar pour avoir tué 200 ennemis à la tête, je crois. Tire à la tête ou plus, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus exactement. Et voilà, dernier ennemi de la zone. Qu'on a tué. J'espère pour vraiment pour le deuxième épisode, il n'y a pas eu de problème de bruit là parce que je sais pas ce que je fais. Là, on va aller voir avant s'il y a peut-être des trousses de secours. Il y en a justement. On en a pas mal d'ailleurs dans cet épisode. Depuis le début de l'épisode. On va aller revoir notre ami Giovanna. Elle se demande où suis-je si je ne suis pas mort. Donc oui, il va falloir la sortir de là. Ça, il n'y a pas de doute. Oh my god, Max, what happened here? I don't know. Non, je vous ferai pas la traduction en anglais au complet, là. Ça serait un petit peu trop long. Un petit peu trop long. Donc, on va se laisser là-dessus les amis, donc merci d'avoir été là, désolé aussi d'enregistrer post-synchro, je suis pas habitué, donc désolé si ça bug un petit peu, merci d'avoir été là et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!